Sorry, it's not in studio. Est-ce que tu aurais un cours d'enregistrement? Je comprends. Oh. Il est 8h15. OK. Hein? Et Chantal va rentrer là. Ouais, voilà, connecté là. Chantal est dans le lieu, okay. Voilà. Allez, on commence. On peut commencer si tu veux maintenant. Chers amis à la Waba. À la Waba. Alors, je souhaite à tous la bienvenue pour notre réunion de dévotionnel. Alors, on va commencer bien sûr par la partie dévotionnelle. Donc, ce sera en première position, ce sera Henri qui va nous faire louange, suivi de Sylvana, qualité spirituelle, Sherina, détachement, et en quatrième position, Michel, unité. Sarika nous fera une prière en malgache, après Michel, et puis Manoj, guérison, Sheila, assistance, Daniel, protection. Et en dernier, ce sera Rwandis qui va nous chanter O Agami. Et pour le thème de ce soir, ce sera deux paroles cachées que nous allons tous pouvoir étudier ensemble, donner notre idée de ce que veut dire les deux paroles cachées. Et merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un très bon recueillement. Merci. Merci. Magnifié soit ton nom. C'est bon. Magnifié soit ton nom, ô Seigneur, mon Dieu. Tu es celui que toutes choses adorent et qui n'en adore aucune. Qui est le Seigneur de toutes choses et n'est le vassal d'aucune. Tu as la connaissance de toutes choses et n'es connu d'aucune. Tu voulais te faire connaître des hommes. C'est pourquoi, par un mot de ta bouche, tu amenas le monde à l'existence et façonnas l'univers. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, le façonneur, le créateur, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Je t'implore pour cette parole même qui a brillé à l'horizon de ta volonté, de permettre que je m'abreuve des eaux vives par lesquelles tu as vivifié les cœurs de tes élus et ranimé les âmes de ceux qui t'aiment, afin que je puisse en tout temps et en toutes circonstances diriger uniquement vers toi mon visage. Tu es le Dieu de la puissance, de la gloire et de la magnificence. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, l'ordonnateur suprême, le glorieux, l'omniscient, Baha'u'llah. Il est Dieu. Ô Dieu, mon Dieu, voici en tes jours tes serviteurs attirés par les effluves de ta sainteté, embrasés par la flamme brûlante de ton arbre céleste. Ils répondent à ton appel et chantent tes louanges. Ils sont éveillés par ta brise, animés par tes doux parfums. Ils écoutent ta parole, croient en ta révélation et sont assurés de ta tendre bonté. Ô Seigneur, ils fixent leur regard sur le règne de ta gloire effulgente, tournent leur visage vers ton royaume céleste, le cœur battant d'amour pour ta beauté radieuse et glorieuse, l'âme consumée par les flammes de ta grâce. Ô Seigneur de ce monde et du monde à venir, leur vie bouillonne de l'ardeur de leur désir de toi, et leur larmes coulent par amour pour toi. Abrite-les dans la forteresse de ta protection et de ton secours.
Préserve-les par ta vigilante bienveillance et regarde-les avec les yeux de la sollicitude et de la miséricorde. Qu'ils deviennent les signes manifestes de ta divine unité dans toutes les régions, les étendards de ta puissance qui flottent sur tes demeures les plus célestes, les lampes rayonnantes que l'huile de ta sagesse fait briller dans les globes de ta providence et de ta miséricorde. Qu'ils deviennent les oiseaux du jardin de ta connaissance, qui chantent sur les plus hautes branches de ton paradis protecteur, et les léviathans de l'océan de ta générosité, qui, par ta grâce suprême, s'enfoncent dans des profondeurs insondables. Ô Seigneur, mon Dieu, humbles sont tes serviteurs, élève-les dans ta cour céleste. Faibles, fortifie-les par ton pouvoir suprême. Humiliés, accorde-leur la gloire de ton royaume d'en haut. Pauvres, enrichis-les en tout empire, en ton empire souverain. Ordonne pour eux tout le bien que tu désires à tes mondes visibles et invisibles. Donne-leur la prospérité sur cette terre et réjouis leur cœur de ton souffle, ô Seigneur de tous les êtres. Éclaire leur cœur des joyeuses nouvelles que diffuse ton rang très glorieux. Affermis leurs pas dans ta très grande alliance et par ta générosité et ta grâce promise, fortifie leur règne dans ton pacte sacré. Ô toi, le bienveillant, le miséricordieux, tu es en vérité le bienveillant, le très glorieux. Amen. Sherina n'a pas fait ta nom, elle nous envoie un message. Elle n'a pas attendu, elle nous passe le suivant. Michel, alors, c'est bon? Oui. Unité. Mon Dieu, que je vénère, que j'adore, j'atteste ton unité et ton unicité, et je reconnais tes dons passés et présents. Tu es très généreux. Tu déverses les flots de ta miséricorde sur le petit comme sur le grand. Et tu repends les splendeurs de ta grâce sur les dociles comme sur le rebelle. Ô Dieu de merci, la quintessence de la miséricorde s'incline devant ta porte et l'essence même de ta tendre bonté circule autour du sanctuaire de ta cause. Nous te supplions, sollicitant tes faveurs passées et présentes, d'user de clémence envers toutes les manifestations du monde, de l'existence, de ne point leur refuser les effusions de ta grâce en te jour. Ils sont toutes pauvres et nécessitées, et tu es en vérité le possesseur de toutes choses, le conquérant, le tout-puissant. Baha'u'llah. Nizamu avatian diamant, numa vundiam soft, lazol, uderenania diamant, izirian no diamant, panupunia funza la boile, artsument mia canafiton ranzol e trol, lazol, andiamanta diamaliotenam zavadjet, armiotan zavadjet, simicia janteira naniandanta naitiatan avatian diamant, marnat kuva izirian falalan. Andi aqui na Maia Fanzava de It. En son nom, l'éminent, le Très-Haut, le Sublime, sois glorifié, ô Seigneur mon Dieu. Toi qui es mon Dieu, mon Maître et mon Seigneur, mon soutien et mon espoir, mon refuge et ma lumière. Par ton nom scellé et vénéré,
que nul ne connaît sauf toi. Je te demande de protéger le détenteur de cette prière de toute maladie et calamité, de toute malveillance, des méfaits des malfaisants et des intrigues des incroyants. Ô mon Dieu, protège-le aussi de toute douleur et chagrin, toi qui règnes sur toute chose. En vérité, tu as pouvoir sur tout. Tu agis selon ton désir et ordonnes selon ton plaisir. Ô roi des rois, ô Seigneur de bonté, ô chose de beauté ancienne, de grâce, de générosité et de libéralité. Ô toi qui guéris, toi qui suffis à tout, lumière de lumière, la plus éclatante des lumières. Toi qui révèles chaque manifestation, toi le compatissant, le clément, en ton infinie miséricorde et en ta grâce abondante, fais preuve de clémence envers le détenteur de cette prière. Ô bienveillant, ô généreux, protège-le aussi de tout ce qui répugne à son cœur et à son esprit. Tu es le plus puissant des puissants. Que la gloire de Dieu repose sur toi, ô soleil levant. Témoigne ce que Dieu témoigne. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, que lui, le Tout-Puissant, le bien-aimé des bien-aimés. Baha'u'llah. Assistance. Ô mon Dieu, mon Seigneur et mon Maître, je me suis détaché des miens. J'ai cherché à travers toi à être indépendant de tout ce qui habite sur terre et toujours prêt à suivre ce qui est louable à tes yeux. Accorde-moi ce bien qui me rendra indépendant de tout autre que toi. Accorde-moi une part plus grande encore de tes faveurs infinies. En vérité, tu es le Seigneur de grâce abondante, le Bab. Protection. Ô mon Seigneur, tu sais que l'humanité est entourée de souffrances et de calamités, environnée de tribulations et d'afflictions. Chaque épreuve assaille l'homme et chaque adversité cruelle s'attaque à lui comme un serpent. Il n'est pour lui ni abri ni refuge, si ce n'est sous l'aile de ta protection, de ta préservation, de ta vigilance et de ta garde. Ô toi, le miséricordieux, ô mon Seigneur, fais de ta protection mon armure, de ta préservation mon bouclier. Devant la porte de ton unité, l'humilité est ma sauvegarde. Ta surveillance et ta protection sont ma forteresse et ma demeure. Préserve-moi des suggestions de moi-même et de mes convoitises. Et protège-moi de toute maladie, épreuve, difficulté et tribulation. En vérité, tu es le protecteur, le gardien, le préservateur. Tu es celui qui suffit à tout. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Abdul Baha. Detachment. Loaded be thy name, O my God. I entreat thee by the fragrances of the raiment of thy grace, which at thy bidding and in conformity with thy desire were diffused throughout the entire creation, and by the dexter of thy will that hath shone brightly through the power of thy might and of thy sovereignty above the horizon of thy mercy, to blot out from my heart all idle fancies and vain imaginings, that with all my affections I may turn unto thee, O thou Lord of all mankind. I am thy servant and the son of thy servant, O my God. I have laid hold on the handle of thy grace and clung to the cord of thy tender mercy. Ordain for me the good things that are with thee, and nourish me from the table thou didst send down,
out of the clouds of thy bounty and the heaven of thy favor. Thou in very truth art the Lord of the worlds and the God of all that are in heaven and all that are on earth. Baha'u'llah. Oh, alors, que putra gyani. Roma, Roma me, shabda jagatu, sunare me teri katha purani. Oh, agyani, oh, agyani, ye jag beshak bahut anutha. Lekin iska sab kuch jhoota, ye jag beshak bahut anoota, lekin iska sab kuch jhoota. Agyani, oh, agyani. Très chers amis, merci beaucoup pour les prières. Et donc, on va commencer avec notre thème d'aujourd'hui qui est deux paroles cachées. Et Nuchka demande qu'elle nous dise qu'on va lire la première parole cachée. Chantal, peut-être? Tu es mieux, Chantal. Ça va. Et tu me défends? Oui. Non, tu n'as pas mis sur l'écran, Josian. Ouais, il n'y a pas sur l'écran. C'est l'écran. Non. C'est l'écran. Non. Voilà, c'est ça. Ô fils de l'esprit, ne te vante pas devant le pauvre, car je le guide en ton chemin, en son chemin, et je te vois dans ta vile condition, et je te fais honte à jamais. Ouais. Si quelqu'un parmi nous peut nous expliquer un petit peu. Voilà. Vas-y. Toi? Je pensais que très souvent, sans nous en rendre compte, nous parlons de nous-mêmes
je le dis en général, hein, nous parlons de nous-mêmes devant les autres. Hein. Je fais ci, je fais ça, je vais faire ça, etc. Je réussis par ci, je réussis par là. Et très souvent aussi, sans nous en rendre compte, je ne dis pas que nous nous vantons, mais nous parlons un petit peu trop exagérément de notre richesse, de ce que nous avons devant les gens plus simples, devant les gens qui sont qui sont pauvres. Okay? Ouais, et ouais. Sans nous en rendre compte, hein, mais vous savez que les pauvres, les gens pauvres, ils sont très sensibles à ces choses-là. Très sensibles. D'ailleurs, Baha'u'llah lui-même a dit, dans un de ses écrits, il dit, les pauvres sont mon dépôt. Hein, ça note sur mon dépôt. Alors, vous dites que Baha'u'llah a un regard spécial sur les pauvres. D'ailleurs, il confirme que les pauvres, les gens qui sont pauvres, qui souffrent, etc., ont une place spéciale. Alors, c'est pourquoi que quand nous parlons, il faut faire très attention de ce que nous disons et des mots que nous utilisons aussi pour ne pas blesser les gens. Parce que comme il est dit dans ses paroles cachées, Dieu les guide en son chemin. C'est Dieu qui prend soin de ces pauvres-là. Alors, si nous proférons des paroles malencontreuses, c'est nous blessons l'âme de ces pauvres. Alors, il faut faire bien attention. Oui, Mopélia, ça veut que tu dis, je te vois dans ta vile condition et je te fais honte à jamais. Ça veut dire qu'on doit agir comme ça devant, bon Dieu, mais mon Dieu, je te fais honte à jamais. Il n'est pas bon, il n'est pas content. Comment? Je veux dire que ce que nous faisons de mal n'est pas à notre crédit. À notre crédit. C'est pourquoi Dieu dit, les gens qui agissent ainsi fait honte, lui fait honte à jamais. Maintenant, dans la vie moderne. Oui, c'est pas dans nos affaires, mon petit, nous comprend bien. Parfois, Dieu même, il guide sa même pauvre là vers nous. Pour qu'il y ait une façon d'agir, vous pensez? Ouais. Hein? Il était sans nous humble. Ou bien, ce n'est pas nous pour vendre nous pour faire, comme on peut dire, t'as là, dans une façon qui, on dirait, pour faire abaisser ces gens-là. Right? Parce qu'il dit, quand je le guide en son chemin. Right? C'est-à-dire, quand ben pour venir devant nous, nous devons connaître comment nous devons agir. Enfin, je ne crois pas que nous agissons ainsi pour blesser ces gens-là. De nature, ils ont une âme sensible. Nous devons faire attention aux paroles que nous proférons. Et aux actes aussi. Et aux actes aussi. Par exemple, je vais être un coup dans la vie moderne. Sur Facebook, là, c'était un gâteau, joli gâteau de métier. Il y a beaucoup de monde qui nous pas rendu compte. Par exemple, là, c'était le tout, nous avons le tout neuf, pas Mercedes, pas Bédier, hein. Nous mettons lui là. Dans l'hôtel, nous mettons nous manger, nous montrer qu'il nous mangeait. Mais il a dit, il a mangé. Il a fait qu'il a mangé, il a bon mangé. Même pas dire pauvre là. En tout cas, il était pauvre, non. En tout cas, il était différent, c'est pauvre. Mais tout ça là, sans nous rendre compte, nous payer, comment dire, hein. Nous peut rendre sa main la triste d'une façon. Hein. Il n'y a pas pourquoi faire ce qu'il ne peut pas le faire. Hein. Il a dit, nous ne pouvons pas, par exemple. Hein. Mm-hmm. Ou bien nous peut prendre un avion, nous peut aller, causer, sans nous rendre compte. Nous pouvons partager et avec nos contentements. Et la question de nous faire lire, bon Dieu connaît lui. Hein. De quelle façon nous peut faire lire. Si nous faisons lire bien, sans ne pas connaître ça, nous blessons. Nous avons fait très, très attention parfois. Sans nous rendre compte, nous n'avons pas connaître. Une pensée, il n'y a pas bon aussi. Nous faisons dire ça. Hein. Nous avons vraiment nous navire, nous détacher, etc. Tout ce qui nous est non détaché, nous ne pas connaître. Mais tout cela, Dieu l'a guetté. Hein?
Fais-le comme ça, exprès pour comprendre. Tu fais sans réfléchir, peut-être. Il y a des choses, hein, l'Ibsen, qu'on parle. Parce que Dieu, quand nous pensons qu'on nous fait une affaire, n'importe qui l'affaire qu'il nous fait, il n'a peut-être pas nécessairement qu'il y vante, lui, mais la façon qu'il y compose, même les choses, l'adoration, son comportement, sa façon, il compose, il a un pays d'enfant, tout ça, compter. Mais God connaît tout ce qu'il nous fait, ce qu'il nous a fait, nous l'intention. Donc voilà. Il y a quelque chose qui nous fait involonté, il y a quelque chose qui nous fait avec. Il faudrait nous faire expressément pour montrer les autres. Ça les dépend du monde, ça, God qui connaît ça. God qui connaît sa pensée là. Mais il est vrai, vraiment, il ne faut pas qu'il. Vraiment, ça, on nous a réfléchi. Quand nous mettons parfois, nous aurons envie de partager, pas de manger, qui nous mange. Mais vraiment, il y a beaucoup de monde qui ne peut pas manger ça, pas gagner ça. Enfin, on va dire, vraiment, pour ce n'est pas un peu de gaieté, de tout ça, il n'est pas bon. Pendant le temps, il nous met ça. Nous, peut-être, nous pas dans les autres amis, mais il n'y a pas vraiment, il y a un peu. Quand nous réfléchissons, il n'y a pas fait ça, vraiment. Il est bon qu'il nous conscient, ça va nous faire là, il est important pour nous autres. Il est bien important qu'il nous. Et nous, à réfléchir à beaucoup de choses, bon. Ça amène nous à réfléchir quand nous faisons des affaires. Mais espérons que nous pas fait l'idée de mauvaise intention. C'est ce qui fait aller. Merci pour tout. Merci, Michel. De ton cas, bon, capable de dire sur version anglais. Oui, bien. Oui, personal spirit, vaunt not thyself over the poor, for I lead him on his way, and behold thee in thy evil plight. La traduction là, hein? And confound thee forevermore. C'est-à-dire, on là, hein? Confound thee forevermore. Songlais, je dis. Parce que là, c'est un evil plight, là, écrit là. C'est-à-dire, evil condition, mais en anglais, j'ai my. I behold thee in thy evil plight. C'est tout. Quelqu'un d'autre qui veut rajouter? Enfin, ce qu'il nous a à dire, c'est qu'en gros, enfin, c'est assez direct, mais nous sommes humbles. Nous ne sommes pas dire bonnes affaires ou faire bonnes affaires pour montrer comme, qu'il nous est supérieur. Il faut être humble. Peut-être des fois inconsciemment, on dit la bonne affaire, on fait la bonne affaire, sans rendre compte, mais il ne faut pas. Je vais vous donner un simple exemple ici, comme si j'avais nous à nos amis. Il y a beaucoup d'amis qui vont dans le pèlerinage, nous gardent un mot, sont inconscients. Ils disent, tu connais mon récit à le pèlerinage trois fois, quatre fois. Nous ne pouvons pas imaginer, il ne va tout seulement pas nous qui vont aller, peut-être pas une chance d'aller. Ça va de mots dépend en nous donner une façon qui nous fait, qui nous dit. Ça, God connaît, nous ne sommes pas capables de faire les grandeur, nous content, faire avec contentement. Tellement, ça peut tous les autres qui pas mal du tout. Comprends là, tout ça, là, ça dépend de nos pensées, qui façon nous dire. Il n'est pas nécessaire de nous dire, c'est un ami même qui parle, il fait une chose. Merci. Dès l'objet, comment dans les écrits dire, hein? Chaque bailli, un test pour un autre bail. Un test pour nous-mêmes, entre nous-mêmes, pas bien loin. Chaque bail, un test, telle façon de nous comporter. Maintenant, il y a nos affaires aussi. Hein? Par exemple, pas plus moi. Hein? Et n'importe quoi de ça, nous tous nous sentons. Hein? Disons, nous pouvons marcher dans la boutique, nous prenons le temps, nous laissons une bonne commission, nous marcher, nous passons des bonnes. Nous connaissons la misère. Yes. Comment dire, nous honté. Moi, mon sentiment honté, moi, je ne peux pas. Je suis content. Non? Au chagrin, comment dire. Hein?
Je dis, je vais cacher pour ne pas montrer. Je dis, pas pour montrer. Je dis, mon sagrin. Je passe devant le dit, moi, non. Je dis, il y a une souffrance, je dis, d'une façon. Enfin, tout ça, difficile. Et pour faire dans la boutique, nous trouvons un vieux dimon, ou bien madame, il m'a cassé, parce que ça fait simple. Triste, que nous aider, mais nous trouvons que maintenant, nous avons assez, imagine un coup, une fois, il y a du monde, descendre dans ce loto, il ouvre ce porte, il tire ce monde d'affaires devant mon dimon pauvre. Et tous, mon dimon sensible. Mon dimon sensible dans la région pauvre, surtout. Il y a beaucoup d'affaires qui nous ont vraiment en action. Enfin, nous, parfois, nous commençons, Michel dit, ne pas penser. Nous ne pouvons pas faire rien, mais c'est moi. Et toutes les affaires, toutes les actions qui nous font bon, mauvais, dans ce réaction. Hein. Des affaires très, très anciennes. Toutes les affaires simples, dit tout Saint-Dimon. Et toutes ces affaires simples hein, qui peuvent apporter une transformation chez nous, chez l'individu, chez le croyant. Comment nous faisons pauvres, Abdouba, dire, oui. Arrive un jour, écoute nous les bails, nous, à les bails. Nous avons cassé, c'est manger dans la case. Tranquille, quand nous connaissons, nous avons bien mangé. Par le même moment. Et tout ça, dépend Abdouba, on est dans le vide. Hein. Nous sentir la même chose qui est arrivée dans le monde. Yeah. D'ailleurs, Abdouba, lui-même, il donne l'exemple. Je me rappelle une petite anecdote que Abdouba, quand il apprend que quelqu'un appartient à manger, il prend tout. Il ne pas demande la vie de toutes les personnes qui ont tout. La famille, sa famille. La famille, il prend tout. Je dis, il prend tout, il emballe tout pour de lui pour toucher la personne. Donc, pour montrer comment nous faisons sensible à la misère des autres. Nous faisons sensible. Et nous faisons tout le temps dans nos ajustements. Nous faisons toujours être humble et dans la modération. Dans nos paroles même, nous avons la modération. Dans nos actions, nous avons la modération. Ça, c'est très important. Et le détachement aussi. Ce n'est pas nous. Moi, je pensais que ce que je viens de dire, pour lui, c'est personnel. Mais moi, je pensais que ce n'est pas nous, comme si nous avons honte, nous avons honte de ce qui nous est là ou de ce qui nous fait acheter. Il ne faut pas. Mais là, nous prenons... culpabilité. Justement, nous prenons la chose de culpabilité là. Au contraire, si nous avons, si nous avons, nous avons partagé avec nous. D'ailleurs, de plus en plus dans sa période difficile, que les gens, pour tout pays, passent par un moment très dur, hein, ceux qui n'ont pas de travail, ils n'avaient pas salaire, avait diminué, etc. C'est notre devoir dans la lettre de, je crois, 2020, novembre 2020, hein, la Maison universelle de justice, mais encourage-nous. Hein? C'est bien dans ce lettre, il dit comme ça, sa situation-là, il peut tellement est aggravée qu'il y a du monde pour perdre la livelihood, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour une soeur pour manger, pour vivre, et il n'a pas pour perdre la vie. Et nous, quand nous les Bahaïs, nous n'avons pas besoin seulement de penser à notre communauté. Hein, nous, les Bahaïs, nous besoin au-delà de notre communauté, dans la société qui est autour de nous. Parce qu'il y en a beaucoup dans tous les quartiers, il y a beaucoup de gens qui peut-être pas manger deux fois par jour. Hein, ça, nous besoin être alerte, hein, nous, l'esprit, besoin alerte pour connaître qui s'appelle une personne là et dans quelle mesure on peut les aider. En fait, le mot de dire honte, non, gêné et triste ou de chagrin. Oui, mais quelque part, ça ne faut pas y atteindre toi. Faut pas qu'il s'atteigne toi. Ce qui te peut pas faire, dans un paquet de pâtes, un paquet de macaroni, je te donne la personne. Comment le faire ici? Il ne faut pas te affecter. Ne pas dire, mais quand nous passer, nous le trouver, nous connaître maintenant la pauvre. Quand dire que vous passez, mon tante, mon maman, c'est vos aînés, vos tristes pour maintenant. Voilà, un sentiment, pas qu'on ait, mais l'amour plus que ça.
Oui, c'est sensible, là, c'est sensible. Et le fait qu'il Bahá'u'lláh dit, hein, pour un pauvre, hein, pauvre là, il a beaucoup de significations aussi dans les écrits. Hein. Abdu'l-Bahá'u'lláh dit à nous, Bahá'u'lláh aussi dit à nous, un écrit, une parole, chaque parole cachée, il y a plusieurs, nous avons un inside, plusieurs inside dedans. Hein. Par exemple, il dit, un pauvre. Bah, si vous avez dit, Bahá'u'lláh dit, un pauvre sur le dépôt. Et il dit aussi, il dit, quand nous sommes un pauvre, il dit qu'il y a Bahá'u'lláh conseille. Il dit, pas juste, nous fait s'arrêter, non, allez, non. Accompagne-lui, cause-lui, laisse-lui raconter sa misère. Est-ce qu'il nous a fait dire ça, hein? Quand nous trouvons un pauvre, parfois, il dit, mais cause-lui, nous guettons sur l'état, etc. On dit, il empêche nous, mais nous avons dans cet état là-même, n'importe comment il était. Nous écoutons-lui genuinement, avec contentement, laisse-lui raconter sa misère. Bah, on l'a dit, il dit, pas de hamstin, là-haut, péguette-nous. Péguette-nous, qui nous peut faire. Et je suis content si je peux faire lui bien. Ouais. Lui dire, il a bah on a dit mon tendresse qui entoure ça m'a dit mon pauvre là donc il pas qu'à expliquer sa tendresse l'amour de bah là qui entoure ça m'a dit mon pauvre là et il est content je dis hein il est content ça m'a dit mon pauvre là et comment dire les pauvres pour irriter le royaume de Dieu Jésus dit ça bah là il cause beaucoup sur les pauvres hein. Il dit nous beaucoup qui nous cause sur les pauvres nous cause tout maintenant aujourd'hui. Je viens. Daniela? Oui. Il me semble que Léonie veut dire quelque chose. Hein? Je l'ai vu lever la main. Ouais. Léonie, on vous écoute. Bon, moi, je compare cette parole cachée comme un enseignant qui va. Pour enseigner. D'abord, on nous demande d'apprendre nous-mêmes, d'être humble. Maintenant, le pauvre, pour moi, c'est la personne qui ne connaît pas Bahá'u'lláh. Alors, moi, qui suis Bahá'í, je vais vers cet homme-là. Je lui dis, ben voilà, toi, tu ne connais pas. Moi, je connais Bahá'u'lláh, ceci, cela, ainsi de suite. Pour moi, je trouve que c'est pas du tout bien d'aller se vanter devant quelqu'un qui ne connaît pas, parce qu'on en a vu hein, des enseignants qui vont vraiment discuter fortement et dire à la personne que toi, tu ne connais pas, moi, je connais. Donc, c'est ce genre de personnes que Bahá'u'lláh fait la honte. C'est ça que je voulais un peu dire, ouais. Expliquer comme ça. Un enseignant qui va enseigner, il doit être pauvre, il doit être humble. Il ne doit pas aller dire à quelqu'un qui ne connaît pas que voilà, toi, ceci, tu ne connais pas. Là, Bahá'u'lláh te fera honte un jour. Voilà ma contribution, ma petite contribution. Pauvre en esprit, j'allais dire ça. Merci Léonie. De rien. Il y a plusieurs insights, nous disons. Hein. C'est un insight. Il y a beaucoup. Nous pouvons partager d'autres, si vous êtes amis, non? Nous pouvons partager qui s'en est là. Alice est là, Hello? Peut-être peut partager. Yes. Donne-moi. Yes. Oui. Yeah. Moi, je suis juste envie de partager dans mon salon Seven Valleys, Bahá'u'lláh dit que la misère, poverty is my pride. La misère, c'est ma fierté. Il dit qu'il y a un. Il dit, et people. Bah, on est comment nous interprétons ça, c'est pas une race ou une population. Ils m'ont dit, ils concealent, c'est-à-dire, ils cachent lui sous le déguisement de la misère. Et lui dire qui s'avance du monde, c'est s'avance du monde qui trouve avec mon lisier, qui entend avec mes oreilles. Le peuple choisit ça. Hein? Et là, une autre anecdote, une petite histoire que Bahá'u'lláh racontait toujours dans. Et qui te dit là, Alice, dans Seven Valleys. Seven Valleys. Oui. Il dit, et Bahá'u'lláh raconte cette histoire-là. Il dit qu'il y a une grande. Je ne sais pas comment on appelle ça.
ce nom, oublié ce nom, un grand prêtre, pas prêtre, imam. Quoi. Il dit, tu as un disciple là-dedans, il misère, hein, il misère. Il récite une parole Coran, et là il dit, mais moi, mon misère, mon cas, moi, tu dis, moi, Maurice. Il est pauvre, hein. Il dit, moi, tout cas, je dis, un coin, mon pénin, un coin. Et là, et le Bahá'u'lláh me dit, qui est là, il te connaît, il dit, l'amour qui te donne pour bon Dieu là. Si tu sens ça, me donne-toi 1000 coins là. Est-ce que tu sens ça, l'amour qui te donne pour bon Dieu là? Il répond lui-même, il dit non, lui a pas sens. Il dit, mais touriste, tu vois, c'est l'amour qui est là pour bon Dieu là, c'est une richesse, hein, l'amour de Dieu pour bon Dieu. Quand ça dit, mon âme, il a une pensée, il peut dans l'argent. Les misères. Il disait, mais c'est pour ça que dans les Bahá'u'lláh, souvent les cités, ils disaient, quand nous quittons ce monde-là, nous connaissons qu'il y en a qui sont riches, qu'il y en a qui sont pauvres. Là-bas, qu'il nous connaît qu'il y en a qui sont riches, pauvres. Hein? Il y avait le mystère dans la pauvreté. Il disait, mais le riche, c'est bien difficile. Quand Jésus disait ça, Bahá'u'lláh, c'est lui confirmé. Dans Seven Valley, il disait, mais le qui gagne, pour demander plus. Imagine un coup. Si on gagne beaucoup ici, là-bas, pour demander plus. Parce qu'on est qui peut demander, qui service une fait ici. Tandis qu'un monde pauvre, il n'y a pas pour demander. Il n'y a pas pour fatiguer, pour travailler. Un monde riche, il faut faire ses efforts pour les détacher. Un monde riche, il n'y a pas. Il déjà détaché, il n'y a pas. Un monde pauvre, il n'y a pas. Il est déjà détaché. Voilà un petit feu. Oui, il y en a qui viennent proposer mon cardien de mot là. Dans les écrits, qu'on s'entrait plus beaucoup, ne te vends pas devant les pauvres. Ça veut dire, il dit à nous, pour les pauvres, l'icône ban, c'est qui? Ne vends pas devant les pauvres, pas faire grand noir devant les pauvres. Ça, dit, mais dans la logique, nous comprenons surtout aussi, nous disons parfois, un du monde, supposez moi, dans un mot, mon pas de la moyenne, tellement envie de mettre un petit soulier, c'est pas comme si je rien, si nous n'avons pas qu'à sentir pas toutes les choses. Nous c'est mal, nous besoin qu'on ait nous pas pu faire lire avec conscient quand on le fait, nous mettons envie mettons si un bon terre un style un accessoire quand on peut monter peut-être peine mais là-dedans nous pas pu faire lire pour vendre d'autres nous faire lire avec non plus content dans certaines affaires, c'est-à-dire il vient dépend nous conscient, hein, au point de dire ça n'a pas de métier de peine à toi moi peut mettre un joli soulier. Il vient dépend nous conscient, si pas nous peut faire une affaire consciemment, juste pour montrer les autres, tout ça nous fait aller par contentement, nous avons envie de mettre ça. Il est différent. D'après nous penser, d'après nous, il dit, nous pas vendre, nous devons les autres, pas faire grand noir, mais c'est mal, Abdul Bahen bien collé, nous disons, distingue nous parmi les autres, nous façons habiller, nous façons comportement, nous tout ça. Ici, nous disons qu'on est dans la logique. Qui façon on peut agir, mettre un joli silence, si pas. Moi, je suis un marché, moi, c'était un pays de commission, plein, mon business, c'est bon. L'illogique, si moi, il a des droits d'enfants, mon business, c'était des droits à pays qui expliquent beaucoup de choses. L'illogique, les biens qui nous pensent, qui les autres pays, non, sans qu'ils nous fassent un grand nom, nous prenons le mandat d'affaires avec discrétion, nous n'amènent ni, nous ramassent les. C'est dans la logique, il y a quelque chose, nous n'avons oublié de faire. Nous n'avons pas fait pas grand nom, il n'avons oublié de faire. C'est dans la logique. Ça, c'est des façons de comportement. Merci. Allô? Et une petite réflexion? Et quand il peut dire « ne te vante pas devant les pauvres », ça ne veut pas dire qu'ils nous nourrissent. Oui, oui. Nous devons pas oublier qu'ils ne nous pas riches. Riche, c'est quoi? Ce n'est pas par rapport à l'argent, c'est oui. par rapport à la connaissance. Ah, et si, oui. Le pauvre n'est pas nécessairement qu'il y a du monde qui peine à l'argent, mais il y a du monde qui est capable de manquer de connaissances, manque de moyens. Qui peine à la connaissance qui nous connaît. La vraie connaissance veut dire les enseignements qui manquent de. Ouais. C'est vrai. Nous qui connaissons quand le vrai la vérité était, et il y a du monde qui n'a pas accès avec la vérité, veut dire je peux apprendre, je suis en cours de recherche. Et nous besoin là. Pour guider et nous bien là pour guider pour aider et partage la connaissance partage, oui, c'est nous bien partage nous
Voilà. Il y a de trouver, il y a plusieurs inside, hein? Plusieurs façons de l'expliquer. Et tout bon, hein? pas oublier, puis la personne qui plie connaît, hein? De tout. Il y a plusieurs inside, hein? Plusieurs connaissances. Alors, et si nous pourrions, il y a plusieurs encore. Si nous réfléchissons, il y a plusieurs. Qualité. Qualité. Oui. Donc, quand nous guettons la définition du mot vanter, se vanter, la vantardise, qui veut dire vraiment ça, Moula? Alors, nous avons dit qui c'est faire éloge de quelque chose, de quelqu'un, en énoncer les mérites et étaler l'orgueil et la vanité de quelque chose. C'est en être fier. Et quand nous guettons qui, c'est quoi le contraire en fait du mot vantardise? C'est la modestie. C'est la modestie, c'est l'humilité, comment Sylvana t'expliquait, et la modération. C'est d'avoir le retenu dans sa façon de parler et de se comporter, de ne pas chercher à se faire remarquer, à briller. Donc c'est ensuite faire preuve d'une grande modestie, d'avoir de l'humilité, de la pudeur et du retenu. Donc le mot contraire de ça, c'est de la modestie, c'est l'ambition, l'arrogance et l'orgueil. Et voilà, c'est ne pas présenter ce genre de displaying this kind of action devant Mandimoun qui est pauvre, voilà. C'est nous rendre vraiment dans le mot qui veut dire la vantardise. Un point de vue que tu as envie de partager. Au fait, moi, ce qui m'a compris hein, dans ça écrit-là, il peut dire nous, au fait, ce sentiment qui nous est non, par exemple, quand nous trouvons du monde, il peut demander qu'il l'eau la rue, donne un sentiment qui est un plus supérieur qu'il est. Nous parlons en même condition qu'il est, car nous pensons que nous faisons plus d'efforts dans la vie aujourd'hui, qui nous sentons un petit plus supérieur. Mais ce point de vue-là, voilà, je peux le dire différemment. Quand nous calculons la vie qui fait nous là, qui fait nous venir à la terre là, c'est pour gagner une expérience spirituelle. Right? À ce là, quand nous calculons, on demande un petit peu. Notre vie bien plus difficile que nous. Notre expérience spirituelle bien plus intense que nous. C'est pour ça qu'il Baha'u'llah dit que c'est ce fierté. Manjoumoun qui pauvre. Mais pas un sentiment que nous bidons, on devrait sentir nous. On est moins de gamme. Bon, je vais dire. À cause de nous, on a un peu plus le moins. Moyen qui vend du monde qui pauvre, mais nous besoin en admiration. Baha'u'llah, deux Baha'u'llah, je tiens en admiration, vend du monde qui pauvre. Parce qu'ils m'ont dit de choisir les autres pour vivre sa qualité d'expérience ici. C'est pour ça qu'ils nous aident de nous tout l'amour qu'ils nous aiment. Si, on dirait là, nous mettons une condition. Nous disons que si chacun a choisi avant de venir à la terre, là, nous choisir qui a été l'arbre, nous avons envie. Qui du monde peut choisir pour vivre un arbre pauvre? Que tu passes ici pour manger? Parce que nous avons un monde bien plus courageux, ce l'âme plus fort. Bon Dieu, vraiment, nous choisir la vie, une déguisée, une concile. Se fierté dans la misère. Et comme on dit, il y a nous qui nous
ça va dire maintenant, je trouve avec mon lit et je tendais avec mes oreilles. Il faut. C'est vraiment, comment tu peux dire, c'est le dépôt de Dieu sur la terre, en dire une chose. Voilà. Merci, Anis. Merci, Rohan aussi. Josiane, tu es là? Yes, je mets l'autre. Tu penses, ah, oui, tu penses qu'on aura le temps de faire le deuxième? Okay. Parce que on est déjà 21h. On reste là pour 5 minutes, 10 minutes. Pour celle-là, si tu veux. Ok, c'est bon. Intéressant le talent. Hein? Ouais. Il est capable de faire causer un mot. Voilà, celle-là. Allez, Moli Ali, je te parle. Au Fils de l'Esprit, sois en vérité que celui qui commande aux hommes d'être juste et commet lui-même des injustices n'est pas de moi, même s'il porte mon nom. Non. Une grande affaire. Il y a personne, hein? Un grand tracalon, non? Oh là là. Allez, Josiane, dis-nous. Ton âge. Mes pensées, difficile. Les capables, et Mandimoul qui commandait aux autres. Hein. Les capables politiciens. Hein, les capables politiciens aussi. Non. Là, c'est pas quand il dit qui commande aux autres d'être juste. Ne pas dire Mandimoul qui, dans un rang commandant, lui est commandé. Là, quand moi, Sylvana, moi, dire. Et nous tous, nous avons injustes. C'est bien, moi, je commande les autres pour être juste, alors qu'ils ne m'ont pas pratiqué sa justice, qu'ils ne m'ont pas attendre des autres là. OK? Un petit peu comme ça. Mais là, ça s'applique à tout le monde. Hein? Ils visent tout le monde, ils appliquent à tout le monde et ils visent tout le monde aussi. C'est-à-dire, dans notre attitude, dans nos comportements, nous faisons. Refléter notre attitude, notre comportement, besoin reflète des enseignements de Baha'u'llah. Et qui Baha'u'llah dit, comment on dit, the best, comment on dit, là, pour justice, hein? Ah, j'ai oublié là. The best one. Je pense que les membres de l'Assemblée. Attends, je vais vous expliquer. Sylvanane, quand vous causez, Sylvanane, bon, sorry, Michel. Hein. Et me dire, par exemple, les membres de l'Assemblée, nous bons BSG, supposément de la communauté. Besoin d'aide. Oui, supposément, nous travaillons, c'est bon BSG. Nous besoin de BSG de la communauté. Hein, de la communauté, BSG. Mais si même nous agir comme un bon BSG, par exemple, nous besoin la communauté. Nous besoin faire ceci, faire cela. Nous besoin donner l'exemple. Comment c'est maintenant? Je viens donner l'exemple. Il vient un peu de chacun de nous, hein, responsabilité. C'est pour ça, on voit qu'il nous causait, on voit qu'il nous dit quelque chose. Nous besoin dans nos pensées, nous besoin fini. Nicolas, d'agir. Oui, nous besoin aime. Proud to be Baha'i. Nous sommes fiers de porter le nom de Baha'u'llah, d'être Baha'i. Alors, si nous, même si nous portons ce nom-là, nous disons, we are proud to be Baha'i, et then nous pouvons agir injustement. Hein? Mais non, quand nous disons agir injustement. Les implique beaucoup de choses, hein? Nous capables d'être injustes envers nos bons enfants, et de nos bons enfants. Et parfois,
Moi, pensez, Michel, qu'il m'a dit pour nous tout. Tu sais qui fait l'enseignement. Si n'a pas l'enseignement, nous ne pas faire. Nous-mêmes, nous ne pas réfléchir à ce qui est là. Nous pas réfléchir ce qui nous a dit. Nous enseignons, nous oublions tous les barrages, c'est bien enseigner. Alors, elle fait l'enseignement. Si nous pas réfléchir ce qui nous a été, déjà, il y a fait. Qui... C'est ça, vous pensez, il concerne à tous les barrages. Non, oh, voilà. Wow. Ça veut dire nous-mêmes, ça veut dire. God pour être nous là-haut. Enfin, moi, je ne pense pas de la façon là, c'est mon compréhension. Non, il est vrai, ça. De mon compréhension. Yeah. C'est moi, tout le monde nous a fait, c'est faux. Et nous pas besoin, pour mes affaires, nous pas besoin de juste personne. Hein. Nous pas dire, nous pas dire ça là, il peut causer, pas faire, etc. Vous n'êtes pas nous dans ça. Pense, de penser, nous n'avons pas pensé. Nous avons pensé juste Dieu, servir Dieu, servir l'humanité. Nous pas guetter les autres, nous pas guetter à droite, à gauche. Abdoubadien, nous à droite. Faire notre travail, laisse là-bas, laisse là-bas. Et les autres jugent nous. Et si acceptent nous gagne, si nous pas content ou bien dire quelque chose qui pas bon, pas gagne tracas, continue la route devant, faire ce que bon Dieu dit à faire. Nous nous besoin agir bien. Et si nous gagne, si nous content, nous content. Si nous pas content, si nous bien content. Et nous, de l'avant, nous faisons le travail, nous faisons les efforts. Dieu connaît qu'ils efforts nous peut faire. Hein? D'accord. Mais mes oisions, écrit là, c'est un conseil et un commandement. Écrit là, c'est qu'il dit, moi, c'est ça, c'est un conseil qui, God donne nous là, une mise en garde qui dit à nous là, c'est l'eau là, et ce qu'il nous fait, c'est God connaît la vérité, nous, sincérité. Ça nous parle un peu, l'eau écrit là, c'est qu'il dit à nous, un conseil qui dit à nous là. Allez, mettez-nous en garde. C'est les autres du monde, ça fait God, mettez-nous en garde, qui nous comportement. Il connaît nous, ça fait défaut. Il connaît nous pas parfait. Si ça ne peut pas être parfait. Il dit qu'on nous pense, il dit qu'on nous sincérité. C'est God qui vous fait ça, d'accord? Nous là pour faire, c'est mal. Il mettez-nous en garde. Veillez bien ce qu'il nous fait, ce qu'il nous dit. Il ne pas faire avec moi les politiciens. C'est pas grave. C'est moi l'expression. Là, je ne pas grave. Dans un écrit, là, dans une parole cachée même, là, qui et que Baha'u'llah dit, the best blood things in my heart is justice. The best blood things. Hein? Alors, c'est ça qui nous aide tout le temps dans tout ce qu'il nous fait, dans nos agissements, dans nos paroles, dans nos attitudes. Nous devons toujours penser que la justice primée. La justice primée surtout. Yes. That would. Yes. Yes, Léonie. Merci. La parole dit au Fils de l'Esprit, sache en vérité que celui qui commande aux hommes d'être justes et commet lui-même des injustices n'est pas de moi, même s'il porte mon nom. Le Baha'i, c'est quelqu'un qui doit vivre selon la volonté de Dieu. Nous devons lire les écrits et nous transformer. Si on se transforme, on ne fera pas ça. On ne sera pas injuste, nous serons justes. Je crois que c'est difficile, mais avec l'effort, on peut en arriver. Parce que moi, je ne peux pas dire que je suis juste et de l'autre côté, je suis injuste. Non, Baha'u'llah nous dit, sache en vérité que celui qui commande aux hommes d'être juste et commet lui-même des injustices n'est pas de moi, même s'il porte mon nom. Alors, quelque part, on avait eu un cours. On nous avait dit que Abdol Bara avait dit que si il y a quelqu'un
qui se comporte mieux, qui applique les lois de Baha'u'llah mieux qu'un Baha'i, il est plus Baha'i que toi, que vous. Donc, nous devons faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour en arriver là, pour porter le nom de Baha'u'llah. Parce qu'on ne peut pas porter le nom de Baha'u'llah quand on commet des injustices. Et il dit ceci dans une parole. L'amélioration du monde peut s'accomplir par des actes purs et bons et par une conduite louable et convenable. Voilà ce que nous devons être. Ma petite contribution, c'est celle-là. Merci. Josiane? Yes. Enfin, moi, je n'ai rien à dire, mais je peux trouver le chat et dans les amis qui peuvent exprimer. Par exemple, on trouve qui Elisha peut dire, dit ça qu'il pensait en tant que Baha'i, nous bisons montrer exemple nous-mêmes. Et puis, il dit, nous bisons pas comport avec les autres. Et puis, il dit aussi, nous bisons pas rabaisse du monde. Enfin, ça m'avait partagé ça parce qu'on peut trouver Elisha pas payé car causé, mais il écrit, il dit, bon, puisqu'il nous la plateforme là, nous partage ça qu'il dit. Je l'ai dit, il est capable de dire lui-même, il n'est pas à côté. Non, mais il est en chat, il n'est qu'à l'autre chat. Ok. Je parle d'expression, je n'ai pas comparé. Voilà. Bien. Comparaison, ce qu'il est là pour dire, c'est que nous comprenons Jimoun qui, comme si Lili plie comme si Lili évoluait, comme si tu as bas. L'autre pli là-haut, l'autre pli en bas. Mais en tant que Baha'i, nous ne sommes pas supposés faire des affaires comme ça. C'est ça qui me peut dire. Mais nous, là, nous partageons la parole. Nous sur Zoom, nous faisons la prière, nous tout ça là. Mais nous, lesquels, nous avons propre envers les gens. Nous, quand on fait la charité, nous aidons les pauvres, nous tout. Mais quand nous pouvons faire ça, nous, lesquels, nous avons propre envers sa pauvre. Nous ne pas faire ça parce qu'ils nous donnent du monde là. Mais à les pauvres, ouais, nous pouvons faire ça à cause. Nous avons servi parce que Baha'u'llah nous avons aidé. Pas ça. Ah, Jimouna, c'est la carte, les pauvres, les misères. Nous avons une vision, un regard. Là. Quand nous pouvons aider, c'est aider avec le cœur. En tant que Baha'i, moi, je pense ça. Merci. Merci beaucoup. Allô? Oui? Allô. Qui parle? Qui dit? Donne-moi Anis. Oui. Un petit point de vue, là, ça écrit là. Au fait, moi, je me trouve là dans un point de vue dualité. Nous connaissons que l'homme il a une dualité dans lui. Il y en a un côté qui est spirituel et il y en a un côté qui animalistique, nous le dire, nous égo. Ok, à ce là quand souvent dans mon écrit quand Baha'u'llah dit causer, quand il peut dire celui, ça veut dire souvent il fait une distinction entre ces deux là, dans la dualité là. Là il veut dire nous tous dans nous déjà commettre une injustice, pas la personne qui peut en faire, comme Michel tu peux dire. Nous tous nous déjà fait une injustice. Ça veut dire que c'est nos côtés spirituels qui peuvent agir. C'est nos personnalités qui peuvent agir. C'est nos l'ego. Même si moi, mon l'ego, c'est Anis. Right? Mon côté spirituel peut être un nom, mon âme peut être un nom. Nous tous dans nous, nous avons deux facettes. Nous avons une facette qui est spirituelle, qui est limitless, qui peut durer tout le temps, qui vient depuis mon Dieu, et nous avons une facette qui est humaine, avec nous une faiblesse. Là, il y a un rappel, ça écrit là, il y a un rappel qui, c'est qui, nos côtés humains, nos côtés égoïstiques, qui ne viennent pas depuis mon Dieu. Même si nous professions des religieux, même si nous sommes un homme religieux, nous apportons le nom de Dieu, ça veut dire que nos côtés humains,
nos personnalités, ce qui nous était, dans, ce qui nous était, ce qui nous projetait dans la société, qui vient de Dieu. C'est nous l'essence qui est spirituelle dans nous qui vient depuis mon Dieu. Et Bahá'u'lláh dit, quand nous, quand un du monde les met au devant sa côté spirituel là, quand il peut causer heart to heart avec un du monde, il dit heart to heart, hein, cœur à cœur avec un du monde, il peut donner un conseil, il peut expliquer avec amour qu'il a besoin de faire ce qui est juste, il peut mine ce qu'il veut dire. Mais par contre, quand il peut causer avec nous l'ego, avec nos personnalités, le bédien du monde, il a besoin de faire ce qui est juste. Alors qu'il parlait hier, nous-mêmes, nous, l'ego, souvent, on ne pas fait ce qui est juste. Donc, c'est ça, c'est un rappel qui nous a une dualité dans nous. Nous avons tout le temps à la guerre là dans nous. Un duel entre nos côtés spirituels et nos côtés humains. Yeah. Et ça montre nous pour être un bailli, toute une vie nous apprend, hein, continuer. Tous les jours, il y a une personnel battle, hein, une guerre. Tous les jours, nous faisons la guerre entre nous-mêmes. Faire un examen de conscience tous les jours et faire sa bataille spirituelle-là, entre sa délion qui est en nous là, ce qui nous nourrit, qui est pour plus fort. Hein, ça délou là, hein, loup. L'eau matérialiste, l'ego là, ou bien l'eau spirituelle, tout ce qui nous peut nourrir là. C'est un peu plus fort. Nous connaissons ce qui nous peut nourrir dans nous, dans l'idée là. Et je ne sais pas si les amis, il y en a qui sont là, on va nous terminer, non? Daniela? Yes, Léonie? Oui, je sais que. Nous avons une guerre perpétuelle avec l'ego et le spirituel, mais nous devons faire des efforts. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas demain, mais avec un peu d'effort de temps en temps, on pourra en arriver, comme vous venez de le dire. Fais ton examen de conscience chaque jour. Donc, on nous demande de faire notre examen de conscience chaque jour pour nous rapprocher de Dieu. Donc, le côté chair, il est très fort, mais le côté spirituel peut le combattre si nous faisons notre examen de conscience chaque jour et si nous lisons les écrits matin et soir. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci. Bon, ben, très chers amis, je vous remercie beaucoup parce qu'il est 21h23. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment très, très bien aujourd'hui. On a bien je fais une photo. Oui, une photo. Photo, tout le monde, s'il vous plaît. Sourire. Photo, tout le monde présente juste le visage. Voilà. Et je suis là et là. Je n'ai pas vu avant. Oui, voilà, bon. Même Michel. Michel, oui, Michel. Ah, Michel. Michel est là, ok. Tout le monde est là. Elisha, Sylvain. Bon, un, deux, trois photos. Un, quand? Un, deux, trois. Voilà. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Daniela, madame. Au revoir, papa. Merci bon, tout le monde. Merci. Mercredi. Merci. Mercredi. Mercredi. Bye. 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 Mercredi. Bye. 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 Merci. Bye. 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 Bon, on vient aller, personne. Bye. 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 Yes. Bye bye Wangi. Bye papa. Bye bye Wangi. Bye. Bye. Bye tout le monde. Bye. Bye bye. Je viens de terminer. Bye.